Chaque vendredi matin, les élèves de maternelle de Mazingarbe prennent leur petit déjeuner à l'école. Un dispositif mis en place par l'éducation nationale pour les zones prioritaires afin d'acquérir de bonnes habitudes alimentaires. Bon appétit les enfants. Et tout naturellement que j'ai répondu favorablement à ce dispositif, parce que pour moi de une, c'est un dispositif innovant, pédagogique, mais il sert aussi d'apprentissage, parce que d'apprentissage et de découverte de la nourriture, parce qu'on s'est aperçu en 2019 que certains enfants ne savaient pas ce que c'était que le beurre, une poire par exemple, et donc l'idée c'est de faire découvrir des aliments qu'ils ne mangent pas régulièrement. L'éducation nationale donne 1,30€ par enfant et la mairie peut parfois compléter en fonction du petit déjeuner proposé. Un projet multipartenarial qui favorise également l'apprentissage des élèves dès le plus jeune âge. Multipartenarial, alors oui, avec la municipalité, les écoles, mais également avec les familles qui peuvent venir aider lors de ces temps forts à l'école. C'est un moment d'apprentissage parce qu'on va travailler le vocabulaire, on va travailler le vivre ensemble, et puis ça va permettre à tous les enfants de bénéficier d'un petit déjeuner équilibré pour avoir tous les besoins nutritionnels, pour être en forme. Et puis c'est un moment où il y a de la bonne humeur et ça permet vraiment de favoriser la réussite scolaire. Un dispositif qui plaît particulièrement aux parents. Moi, je trouve ça super, c'est une belle initiative. Je pense qu'elle est contente en plus le vendredi de manger avec ses petits copains. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative. Un petit déjeuner pour bien commencer sa journée. En France, près de 2,5 millions de repas à moins de 1€ ont déjà été servis dans de nombreuses communes rurales.